taking a ride to join at late. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개 설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 Bonjour à tous. Salut. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est super contents. Je pense que ça se voit. Ouais, avec une belle entrée en matière. Ça va, je t'ai pas fait passer. Voilà, donc là, on est sur le point de préparer la valise pour partir en Laponie pour une semaine. Ouais, donc pour une fois, on va partir dans un pays froid. Même si on était parti en Norvège, on était parti en été. Ouais, c'est vrai. Et là, cette fois-ci, on aura la neige, la glace. Ouais. Les aurores boréales, peut-être. On espère, on espère. On va faire plein de choses, on a prévu énormément de choses. Mais aujourd'hui, Amandine a voulu faire une vidéo sur la valise. Et une journée avec nous. Tout simplement. Comme ça, là, cette fois-ci, on va mettre des affaires chaudes dans la valise. Ça va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, ce sera une journée aussi avec nous, puisqu'on va ranger un peu la maison. Et c'est parti, on vous amène avec nous. Mais je crois qu'on allait dans le salon. Non, mais donc avec Hugo on vous a mis vraiment tout sur le lit comme ça vous permettra de voir un peu mieux et un peu plus clairement tout ce qu'on va prendre dans notre valise. Donc là pour la première étape je vais vous montrer vraiment tout ce qui est pour affronter le grand froid. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu tout ça, tout ce qu'on a pris. Pour commencer on a pris des vêtements thermiques, voilà, tout simplement en fait c'est en laine mérino et ça permet de garder la chaleur du corps. Je vous mets toutes les fiches juste ici, comme ça, ça vous montrera l'article qu'on a pris et également le prix et où on l'a trouvé. Donc ceux-là, ils viennent de chez Decathlon. Donc il y a deux t-shirts et deux pantalons. Après, on a pris des moufles sur le site Montech. D'ailleurs, tout ce qu'on a pris, c'est soit du Decathlon, soit du Montech. Voilà, donc là, les moufles, au début, on était parti pour prendre des gants. Et après avoir essayé les deux, je peux vous dire que franchement, ça tient beaucoup plus chaud des moufles que des gants. En fait, quand on met les gants, ça met le bout des doigts tout froid, tandis que les moufles, ça se réchauffe entre les doigts. Donc, c'est plus pratique pour nous. Donc, on a choisi les moufles. Après, comme on fait un jour de ski sur l'évier, on a décidé de prendre des lunettes de ski. Mais bon, on les a trouvées sur Vinted. On n'a pas voulu trop investir dedans puisque c'est juste pour un jour. Voilà, donc ça, c'est la marque Bollé. Et en fait, on les a trouvées à 25 € chacun. Donc, enfin, chacune. Donc, c'est assez raisonnable. Voilà. Après, on a pris des tours de cou. C'est hyper important quand vous partez dans le froid avec le bonnet. En fait, ça garde la chaleur au niveau du cou et franchement, c'est encore mieux qu'une écharpe. Voilà. Donc ça, c'est la marque Montech également. Après, on a pris des bonnets avec une double épaisseur. Pareil, c'est très important quand vous partez là-bas donc d'avoir un bonnet, mais surtout bien épais. Ici, on a pris des vestes. Je sais pas si vous vous rappelez, donc j'avais acheté déjà la veste verte, mais bon, je l'ai vite finalement changée puisqu'en fait j'avais l'impression de ressembler à Michelin. Voilà, donc du coup je l'ai pris en noir. Hugo également a pris en noir, donc lui c'est Montech et moi aussi. Et franchement, elle est quand même épaisse, elle tient super chaud et elle est simple. Voilà, très simple. J'ai pris le pantalon qui va avec, Hugo pareil.
au niveau des chaussettes, donc on les a trouvées chez Decathlon. On en a pris deux styles de paires, donc je vais vous expliquer pourquoi. Celle-ci, c'est pour quand on fait des activités, et celle-ci, quand on est plus mobile. Pour vous dire, en fait, celles-ci sont beaucoup plus épaisses que celles-ci, sauf que vous transpirez beaucoup plus dans ce modèle-là que dans celle-ci. Voilà, donc on en a pris plusieurs. Ici, je ne sais pas si vous connaissez les chaufferettes, donc j'en ai pris pour les pieds et pour les mains. En fait, c'est la première fois qu'on en achète et la première fois qu'on va les utiliser. C'est des petites pochettes qui se chauffent jusqu'à 45 degrés. En fait, vous les mettez dans vos chaussettes et dans vos mains et ça dure pendant 5 à 6 heures. Voilà, de toute façon, c'est tout noté ici. Vous avez les notices à l'intérieur. Et apparemment, ben, c'est vraiment top. Quand vous partez là-bas, c'est vraiment à avoir dans sa valise. Donc voilà. Donc du coup, on les a pris, on les a trouvés chez Decathlon. On a pris des lunettes frontales. Donc ceux-là, on nous les a prêtées. Mais je pense que vous pouvez en trouver chez Decathlon. Voilà, donc ça, c'est pour aller chasser les aurores boréales. Et j'espère vraiment qu'on va en voir. Franchement, ça serait bête de partir et de ne pas en avoir. Donc voilà. Donc on a pris ça pour le soir, quand on va se balader. Et après, on a pris des polaires. Donc les polaires à mettre au-dessus des vêtements thermiques qui sont là-bas, là. Donc on en a pris plusieurs. La mienne vient de chez Montec et celle d'Hugo Decathlon. Et après, c'est tout ce qui est supplément si jamais on a froid. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui était au niveau ski. Et on a pris aussi des chaussures rembourrées chez Decathlon. Voilà, donc bien évidemment, on a pris des tailles supplémentaires. D'habitude, je fais du 38,5. Et là, j'ai pris du 40 parce qu'avec les chaussettes qui sont épaisses, je peux vous dire que franchement, il faut prendre la taille au-dessus. Voilà, donc elles sont doublées, elles sont épaisses et franchement, elles gardent bien la chaleur. Je crois qu'elles vont jusqu'à moins 25 degrés, voire un peu plus. Et il me semble que je les ai payées 35€ chez Decathlon. D'ailleurs, je vous avais fait un petit PDF téléchargeable gratuitement où vous avez toute la checklist pour partir, pour rien oublier dans votre valise. Vous avez vraiment la version pour partir au ski et la version pour partir dans les pays chauds. Voilà, donc c'est très pratique, je vous mets le lien en barre d'infos et bien évidemment il n'y a pas que ça dans ce PDF, je vous montrerai juste après. Je vais commencer par ranger vraiment tous ces vêtements et après je vous montre ce que je rajoute dans ma valise pour la suite. Pour la seconde partie, donc c'est tout ce qui est vêtements de repos, pyjama, sous-vêtements. Voilà, donc je dis vêtements de repos parce qu'en fait c'est quand on sera à l'hôtel le soir ou quand on va manger au restaurant qu'on doit être en mode un peu plus décontracté mais pas en tenue de ski. Voilà, donc du coup j'ai pris nos deux pyjamas, donc j'ai pris des pyjamas assez épais en fait. Je sais pas trop la température qu'il va faire, je pense qu'il va faire quand même chaud, donc du coup ça c'est pour Hugo et ça c'est pour moi. Et on a anticipé en prenant quand même des t-shirts si jamais on meurt de chaud. Voilà. Ensuite, j'ai pris les maillots de bain. Donc vous allez rigoler, mais voilà. Non, en fait, c'est pas pour aller se baigner, mais plutôt parce que là-bas, en fait, dans chaque hôtel, on a un sauna en fait à l'intérieur. Donc pour pouvoir en profiter, bien évidemment, qu'il faut pas oublier les maillots de bain. Après, j'ai pris deux pulls sweat en fait décontractés. J'ai pris également un leggings, un jean. Et Hugo, pareil, donc il a pris un sweat, un pantalon et voilà. Après, au niveau des sous-vêtements, donc là, on a pris une pochette de sous-vêtements pour 8 jours et des chaussettes. Donc du coup, je les ai rajoutées avec les chaussettes de ski. Donc voilà, comme ça, on ne sort pas non plus avec des chaussettes de ski le soir ou même pour aller manger. Donc tout ça, voilà, c'est à rajouter dans la valise et c'est parti. Et voilà.
voilà pour la dernière étape du rangement de valise. Donc là, il y a tout ce qui concerne l'hygiène et l'électronique. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. En premier temps, j'ai trouvé ces brosses à dents que j'avais utilisées en Guadeloupe. Elles sont vraiment trop bien. C'est des kits de voyage. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez les acheter. Voilà, donc c'est petit. J'en ai pris deux, un pour Hugo et un pour moi. J'ai pris également des petits contenants pour mettre tout ce qui est shampoing, gel douche. Donc c'est format sac de cabine. Voilà, c'est un peu souple. Et pareil, je les ai trouvés sur Amazon, donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais, franchement, je m'en lasse pas, elles sont vraiment trop trop bien. J'ai pris également de la crème, parce que dans les températures froides, la peau elle se sèche énormément, donc du coup pour le visage, j'ai pris de la crème spéciale que j'ai mis dans un petit contenant, et j'ai mis un genre de scotch autour si jamais, pour pas que ça coule. J'ai pris de la crème pour le corps, pareil, hydratante, deux gourdes, donc une pour Hugo, une pour moi. Je pense que je vais acheter en parallèle un thermo pour mettre de la tisane chaude parce que je pense que ça sera plus simple quand on va partir faire nos excursions ou faire les activités, d'avoir voilà, quelque chose de chaud à boire. Donc je vais le prendre en plus, j'irai en acheter une. J'ai pris le fer à lisser, tout ce qui est maquillage, après le déo, les cotons-tiges que j'ai mis dans un petit contenant comme ça en plastique, gel pour Hugo, tout ça c'est brosse, chouchou, coton et le reste. J'ai pris des sacs plastiques pour mettre tout ce qui est linge sale, voilà, donc j'ai l'habitude de prendre ça et c'est, voilà, c'est pratique, donc j'en ai pris quelques-uns. Les lunettes de soleil, la trousse de premier secours, donc à tout ce qui est médicaments, Doliprane, Spasfon et tout ce qui est nécessaire. Les mouchoirs, j'ai pris également un petit trépied, donc version mini, puisque là-bas on a le plus grand pour les aurores boréales et pour faire tout type de photos. Là, j'ai pris tous les chargeurs de tout ce que j'ai. Là, les écouteurs, cette petite pochette, c'est une pochette qu'on aura dans l'avion ou avec nous dans le sac. J'y mettrai mes batteries externes parce que les batteries, elles se déchargent super vite avec le froid. Là, tout ce qui est documents, papier, ça fait partie du kit que je vous ai proposé gratuit en fait en PDF, voilà, avec tout le reste des documents. Les passeports, là, il y a tout ce qui est moyen de paiement, tout ce qui est les cartes, donc cartes européennes pour Vital, permis de conduire et tout ça. Après, j'ai pris le stabilisateur. Je pense pas que je vais l'utiliser souvent, mais peut-être pour l'aéroport, pour les hôtels et tout ça, parce que voilà, après, j'utiliserai peut-être ça pour filmer en extérieur. Après, il y a les masques. J'ai pris du gel, donc un petit format pour prendre avec nous et un moyen pour réapprovisionner celui-ci. Les coussins de tête. J'ai pris également un sac donc étanche. Parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a utilisé que celui-ci. Et voilà, si jamais il fait mauvais temps ou qu'il neige ou quoi, ça protège bien tout ce qui est matériel à l'intérieur. J'ai pris un sac de cabine qui est pliable, trouvé sur Amazon aussi. Donc je vous le mets en barre d'infos. Voilà, donc là pour le moment, je pense qu'on n'en aura pas besoin. On va tout mettre dans la valise, voilà, donc et dans le sac. Donc là pour le moment, on va le prendre. On ne sait jamais si on repart avec des souvenirs ou si on repart avec un peu plus d'affaires. Donc voilà, le trépied. Après, je prends le drone, voilà, donc le petit drone pour faire les vidéos aériennes. La GoPro, donc voilà, GoPro c'est pratique surtout pour toute activité qu'on va faire. Donc j'ai acheté récemment le chargeur pour charger les batteries. Après, les cartes SD à ne pas oublier. Voilà, donc j'en ai pris plusieurs. Et ça va avec la GoPro. Voilà, donc ça c'est le genre de... une perche en fait. C'est une perche pour GoPro. Et je crois que j'ai fait le tour. Ça y est, je viens de réussir à tout rentrer dans la valise. Trop contente, donc ça fait un peu Tetris. Mais voilà, c'est tout bien rangé, tout bien empilé. Après, de ce côté, c'est comme ça. Pareil, j'ai réussi à tout rentrer, même le grand trépied qui est ici. Et je pense très honnêtement qu'on va enlever quand même les vestes à l'intérieur parce que je viens de réaliser qu'on partait à 3h du matin et qu'il allait faire quand même un petit peu froid voilà, le matin. Donc pour éviter de se trimballer avec deux vestes, et ben on va plutôt mettre les vestes de ski. Voilà, je pense. Voilà, donc je la ferme et on va passer à la suite.
Ça y est, maintenant qu'on a fini de faire la valise, on va aller acheter 4 petites bricoles, donc des fruits et légumes pour nos lapines. Voilà, comme ça on pourra les nourrir pendant notre absence. On va leur faire les petites gamelles. Regardez le temps qu'on a quand même. Il fait super bon. On a un soleil. Alors, une petite pizza en supplément? Ouais. Plus des légumes? Plus des légumes, ouais. Pas trop de légumes quand même. Trop bon. J'ai terminé les assiettes de mes lapines, donc il y a vraiment de tout à l'intérieur. On a de la carotte, des pommes, du fenouil, du céleri, de la salade, des fans de carottes et un peu de pommes, je crois que j'ai tout dit, et de l'endive, donc ça devrait être assez varié. Elles vont être super contentes, je pense. Voilà, donc ça c'est une assiette pour 3 lapins par jour. Et voilà, donc je vais les mettre au frigo et ça c'est pour la semaine. Regardez ce qu'on a reçu. C'est arrivé. Enfin. On l'a commandé il y a 2 jours, c'est déjà là. Je pensais qu'on allait le recevoir pendant nos vacances, hein, ouais. Et que du coup on allait vous présenter après, mais non, finalement c'est arrivé maintenant. Oh, mieux. Trop contente. Bonne nouvelle. Non mais regardez comment elle est, franchement. Elle a l'air trop bien, trop confortable. D'ailleurs, je vous mets un code promo en barre d'infos si jamais vous voulez faire un tour sur le site. En fait, pour ceux qui connaissent pas la marque, c'est la marque Wopilo. Et franchement, l'année dernière, on avait fait déjà un partenariat avec eux sur des draps. D'ailleurs, on en était super contents. D'ailleurs, je vais vous les montrer juste après, puisqu'on va les installer aussi pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Et voilà, donc en fait, on a voulu changer et prendre une couette. En fait, c'est un grammage qui est de 320 grammes par mètre carré et ça permet vraiment de passer un hiver au chaud et sans pour autant en fait transpirer. Voilà, donc elle a l'air top. Ouais, on a... Ça, c'est la couette qu'on avait, mais bon, elle commence à être un peu fatiguée. Et ça, bah, du coup, c'est la nouvelle. Thank you.
c'est le matin et c'est l'heure du départ. Il est 2h30, 2h40. Ouais, ça pique. C'est dur, ouais. Mais bon, on est content. Ouais, on est content. Et du coup, bah, on se retrouve pour des prochaines vidéos en Laponie. Show me your soul, and honey, I'll show you mine.